moi une femme. Ouais. Voilà. En couture. ខ្ញុំនឹងជម្រាបប្រកាសបន្តពីដំណើរការនីតិវិធីសំណាកការហើយនៅទិសនេះដោយអង្គជម្រាស់បានជួនភាគីនៃសាធារណជនរួចហើយកាលពីមុនពេលបាយថ្ងៃត្រង់ថាអង្គជម្រាស់ធ្វើសំណាកាស្ដាប់សកម្មរបស់សាស្ត្រីដែលមានហត្ថលេខាទី4ដែលបានយូរពីរយចិត្តសិបសំពិលពីប្រទេសបារាំងតាមរយៈប្រព័ន្ធសោទស្សន៍លោកបានអង្គថាការរៀបចំដំណើរការនៃប្រព័ន្ធបច្ចេកទេស សូមគោរពជម្រាបលោកប្រធានខាងបច្ចេកទេសបានរៀបចំមកថាបានរៀបចំរួចរាល់អស់រួចហើយហើយចំណុចដែលសាស្ត្រីក៏បានរៀបចំរួចជាស្រេចផងដែរលោកប្រធានសូមអរគុណ បាទអរគុណបាទសូមជម្រាបសួរលោកសាស្ត្រី Monsieur le Président. J'aimerais bien l'obtenir. Bah, aucun. Donc, ça, c'est un local. J'aimerais bien que mon niveau de connaissance niveau clown par loc dans l'ensemble de la campagne de thé. Président, je m'appelle Philippe Julien Goffre. Je suis le 24 février 1930 Je suis d'accord pour prêter un serment laïque. Miriam Mafes Santi, son nom est Luxaxe Philippe Goff, au tout son bord, tam, et j'aime le sassanat de court. Monsieur le témoin, pouvez-vous, s'il vous plaît, répéter après moi? Luxaxe, son log tatam kyom. Je peux répéter après vous. Je déclare solennellement que je dirai la vérité. Kyom n'en a dit Toute la vérité. Excusez-moi, je déclare solennellement. Que je dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Que je dirai toute la vérité, rien que la vérité. Look, Philippe Goff. តាមរបាយការណ៍របស់កឡាមជីសាមណការអត់បានការពិគ្រោះមិញនេះថាតាមសមត្ថភាពដែលលោកអាចដឹងលោកមិនមានចំណងញាតលោហិតឬក៏ញាតពន្ធជាមួយនឹងភៀកគីដែលមិនដឹងរដ្ឋបាលនីក៏ដូចជាជាមួយនឹងជនជាប់ចោតនួនជានិងខៀវសំផនតើពិតមែនដែរឬទេ C'est exact, monsieur le président. Bah, le petit, que peut pas. Bah, aucun, hey, j'ai pas tourné en béton, je me réponds, puis, c'est un cas de la vie, bah, ça, ça, bah, non, n'aime, je sais, ça, le Philippe Goff, non, qu'est-ce que ça, 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 ni, le, à, pas de sept, non, qu'est-ce que ça, c'est un nom, rue, quand, somme, et tout, on a, 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 Hay, chấm này ai cả là này chỉ cách vĩnh cứ không niềm lục như sợ giấy
ត្រូវតែផ្ដល់ទៅໄຂកម្មក្នុងកិច្ចដំណើរការសកម្មការជាពុំមុខអង្គជំនឿជំនួយជំនះនេះលោកត្រូវឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរទាំងឡាយដែលភិក្ខុឬចក្រមនៃអង្គជំនះសួរចំពោះលោកហើយលោកជាសាក់សីត្រូវតែឆ្លើយទៅការណាដែលពិតដែលខ្លួនបានឃើញបានដឹងបានលឺបានចងចាំឬធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ជួបប្រទះឬការធ្វើសង្កេត Oui, monsieur le président. Bah, l'obtien, que nous avons joué à la banane. Bah, au con, hey, que nous avons joué à la banane, que nous avons joué à la Non, monsieur le président, je n'ai pas été interrogé. តាមសំណើសុំរបស់មេធាវីការពីក្រីលោកខៀវសំផនដូច្នេះអង្គជំរះសុំតាមវិធានការជូនទៅក្រុមមេធាវីការពីក្រីលោកខៀវសំផនដើម្បីមានឱកាសតាំងសំណួរដេញដោលចំពោះសាក់សីរូបនេះមុនភិក្ខុដទៃទៀតនៅរឿងក្តីហើយក្រុមមេធាវីការពីក្រីសំផនមានរយៈពេល11ម៉ោងដល់5នាទីក្នុងការសួរសាក់សីរូបនេះហើយតំណាងថាប្រញ្ញារួមទាំងមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមរ៉ាប់រ៉ាប់នេះក៏មានរយៈពេល1ម៉ោងដល់5នាទីដូចគ្នាដែរ Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur Julien. Je suis Arthur Berken, un des avocats de Monsieur Kyusampan. Pour commencer, je voudrais que vous indiquiez à la Chambre votre parcours universitaire puis professionnel dans les grandes lignes, bien évidemment. Ensuite, j'ai travaillé en France, notamment à l'occasion de faire des séjours en Extrême-Orient dans les années 1955-56. Et ensuite, je suis revenu en France et j'ai connu des étudiants d'Extrême-Orient, notamment des étudiants cambodgiens, pendant mes études d'association aux études commerciales. Je souhaitais, par la suite, aller travailler dans le Cambodge, de retour en France, et maintenant, je suis revenu en Cambodgien, j'ai suivi les études d'Extrême-Orient. Voilà pour mon parcours. J'ai été diplômé en 1960 à l'école des langues étrangères pour mon parcours universitaire. Professionnellement, une fois diplômé de langues orientales, j'ai cherché un emploi dans une entreprise française ou étrangère ou cambodgienne. J'ai travaillé au Cambodge. Et j'ai finalement trouvé du travail dans une entreprise qui déjà suit depuis 1961. ដូច្នេះនៅក្នុងឆ្នាំ61ខ្ញុំមកកម្ពុជាហើយខ្ញុំបានធ្វើជាប្រធានឌុស្ត្រីយ៉ែលដឹកជញ្ជូនក្នុងឆ្នាំ1961ខ្ញុំមកកម្ពុជាហើយខ្ញុំបានធ្វើជាប្រធានឌុស្ត្រីយ៉ែលដឹកជញ្ជូនក្នុងឆ្នាំ1961ខ្ញុំមកកម្ពុជាហើយខ្ញុំបានធ្វើជាប្រធានឌុស្ត្រីយ៉ែលដឹកជញ្ជូនក្នុងឆ្នាំ1961ខ្ញុំមកកម្ពុជាហើយខ្ញុំបានធ្វើជាប្រធានឌុស្ត្រីយ៉ែលដឹកជញ្ជូនក្នុងឆ្នាំ1961ខ្ញុំមកកម្ព
mes études supérieures, c'est quand j'étais au lycée que j'ai découvert des lectures, j'avais découvert la civilisation, la culture, extrêmement intéressant, qui m'avait beaucoup intéressé, c'est différent de ce que nous avions, que nos visions en France et les États-Unis étaient considérés comme un modèle. Je vous remercie. Vous avez dit que votre premier séjour au Cambodge avait eu lieu dans les années 1955-56. Pouvez-vous préciser à quelle occasion vous aviez séjourné dans ces années au Cambodge? Alors, j'ai fait mon service militaire dans la marine nationale. Et j'ai passé donc deux ans en Europe, et un an au Extrême-Orient, je suis venu à 1955-56, peu après les accords de Genève, vous m'avez envoyé pour régler certains problèmes en Extrême-Orient, je suis venu à Saigon, au Vietnam, j'ai fait quelques missions au Cambodge, au Philippines. J'ai donc fait trois petits séjours, les uns à titre militaire, les autres à titre de touriste au Cambodge. Je vous remercie. Vous avez indiqué que vous êtes ensuite revenu au Cambodge dans le cadre de votre activité professionnelle au sein de l'entreprise Air Liquide. Est-ce qu'en deux mots, vous pouvez nous dire quel est le domaine d'activité de cette société et quel était son domaine d'activité au Cambodge? L'Air Liquide est une société industrielle qui a maintenant 110 ans d'existence. Son activité principale, son production de gaz industriels, des gaz comme l'oxygène, l'hydrogène, l'azote, et également la production de matériaux utilisés dans ce domaine. L'Air Liquide est la première société mondiale dans ce domaine. L'Air Liquide est la première société mondiale dans ce domaine. Au Cambodge, il y a des unités de production d'oxygène, pour l'acétylène, ហើយនឹងមានផ្នែកមួយទៀតសម្រាប់ផលិតឧស្ម័នកាបូនិកហើយខ្ញុំធ្វើការនៅខាងផ្នែកគ្រប់គ្រងឧស្ម័នសម្រាប់ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រឧទាហរណ៍ដូចជាអាម៉ូនីយ៉ាជាដើមសម្រាប់ការដាំកៅស៊ូជាដើម dans ce pays, et si oui, pendant quelle période? Quand j'ai posé ma candidature à la société ដែលក្រុមហ៊ុននោះកំពុងតែអភិវឌ្ឍសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅប្រទេសកម្ពុជាដោយបង្កើតយូនីវើលីស៊ីនក្រុមហ៊ុនខ្មែរអុកស៊ីហ្សែននិងអាសេទីឡែនហើយដើមទុននោះត្រូវបានកាន់កាប់ដោយសាយ 9% ដោយក្រុមហ៊ុនអេលីគីតមកប្រាំភាគរយដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយនិង 25% ត្រូវបានកាន់កាប់ដោយបុគ្គលឯកជនកម្ពុជាខ្ញុំជាអគ្គនាយករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
Monsieur Julien, puis-je me permettre de vous interrompre, car je ne dispose pas d'énormément de temps, donc les détails que vous vous apprêtiez à donner sont peut-être un tout petit peu superflus. J'aurais surtout, je vous remercie d'avoir été jusque-là, mais voulu connaître la période durant laquelle vous avez été en poste au Cambodge pour l'Air Liquide. Est-ce que vous pouvez nous dire si aujourd'hui vous avez encore des activités en rapport avec l'Asie, plus précisément le Cambodge? Vous avez évoqué une ONG, une activité associative, pouvez-vous donner des détails? Je vous remercie. Je vous remercie. Je vais maintenant revenir à l'origine de votre intérêt pour le Cambodge. Et peut-être pouvez-vous expliquer à la Chambre la manière dont vous avez approfondi votre connaissance de ce pays alors que vous faisiez vos études en France, au sein, donc, vous l'avez dit, de l'école des langues orientales. Cette rencontre avec M. Kyusampan a eu lieu à Paris en quelle année? Pouvez-vous dire à la Chambre si, par la suite, mis à part cette première rencontre avec M. Kyusampan, vous avez rencontré à nouveau M. Kyusampan pendant les années qui ont suivi?
Chum lai nơ pê đai quát nơ Paris, khnyom ban chup quát khnong pê sâm đai in sâl pa muay đai riep chom đoi ni samakom ni sat khmae hai khnyom ban chai chai sâm nai sâm nal chi muay quát pi pru tha pê nung kư ha khnyom chong ma thveu ka nơ prateh Kampuchea hai quát quát thveu ni khai bot ampi setakich hai khnyom khnyom thveu ka khang usahakam doi chnai khnyom kut tha chi ka chap arom na chumpuh khnyom dambei piphiasa chmuay quát Alors, je vous arrête, Monsieur Julien, afin que votre déposition soit claire. Nous allons d'abord traiter de la période française. Donc, vous voulez dire que vous avez rencontré M. Sokhon à la cité universitaire, puis ensuite à plusieurs reprises. Et vous avez indiqué que vous aviez eu des conversations avec lui relatives à l'économie, c'est bien ça? Chum lai bat pat chen chang hai ke tha neu knong sannisat muay da trou ban riep cham neu khai minia chnam 1959 sannisat nu men ka anchoeng damnang ne ataita indochin ha men khmae vietnam vietnam mneak hai khmae nong hai keu lok keu sampon ni aing de ce colloque était tien bat nei sannisat nei keu ka vinayog borate rue knong srok nei knong dan dai ne ataita indochin nu de son pays. Alors, nous disposons au dossier de une déposition écrite, un témoignage écrit et signé de vous, qui porte une cote, qui est la cote E190 par diffraction 2.5, et attachée à cette déposition écrite d'une dizaine de pages, il y a une photocopie de note manuscrite. Il est indiqué note prise pendant l'exposé de M. Khieu Samphan sur les investissements au Cambodge lors d'un colloque sur les pays de l'ancienne Indochine française organisé à Paris le 3 mars 1959. Êtes-vous l'auteur de ces notes? Je suis l'auteur de ces notes et je suis très étonné de les avoir retrouvées et de les avoir retrouvées. Est-ce que vous avez pu les relire récemment? Et comment décririez-vous à travers, bien évidemment, cette relecture et peut-être aussi le souvenir que vous en avez, leur contenu. Quel type de thèse a été développée par M. Khieu Samphan lors de ce colloque donc sur les investissements au Cambodge? Le thème principal est de passer d'une économie de type colonial, c'est-à-dire une économie dans laquelle un pays d'étranger a réuni à ce pays. Dans sa colonie, dans son protectorat, et vend ce pays des produits finis. Donc le thème était sur l'industrialisation pour la mise en valeur des ressources du pays. Les ressources du Cambodge étant essentiellement dans l'agriculture, le bois, le caoutchouc. Donc il convenait d'après M. Khieu Samphan, de développer l'industrie pour mettre sa place, donner du travail sur place, pour l'économie cambodgienne. Il préconisait une certaine intervention de l'État, mais une intervention de l'État, dương mình trời thưa ơi vì dục tôn bồ đề thầy khai nội tế bị bồ tát thôn thiên mà đã bồ tát nó mình cướp cơ quan xâm nhập
ធ្វើឧស្សាហកម្មពាណិជ្ជកម្មប្រទេសនោះទេហើយនឹងមិនអាចឧបត្ថម្ភទៅដល់ការសាងសង់រដ្ឋាភិបាលជាតិផងគ្រប់គ្រាន់នោះទេខ្ញុំនៅចងចាប់នឹងថាមាននៅក្នុងកំណត់ត្រារបស់ខ្ញុំលោកខៀវសំផុនក៏បានបញ្ចប់ថាអូសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានោះមានស្វ័យភាពគឺថាមិនមែនថាឲ្យ Effectivement, monsieur, nous avons une photocopie de ces notes au dossier. Je vais en donner les cotes ERN pour les transcrits. En français, c'est la cote 008093334. En Khmer, 009 07 7 7 1, et en anglais 009 11 4 2 2. Et pour ce qui est des investissements étrangers, je relève que sur une des pages de vos notes manuscrites, il est indiqué monopole d'État du commerce extérieur risque de décourager les capitaux privés. Un peu plus loin, à la page qui est à moitié couverte de vos notes, il est indiqué effectivement, et c'est la dernière phrase, autonomie et non autarcie. Cela confirme donc ce que vous venez de dire sur l'esprit de l'intervention ce 3 mars 1959 de M. Khieu Samphan. C'est bien cela. Est-ce que la teneur des propos qu'a tenu en public ce jour-là M. Khieu Samphan correspondait avec les entretiens privés que vous nous avez dit avoir eu avec lui? Tout à En plus, Au cours des conversations que vous avez eues avec M. Khieu Samphan en France et lors de ce colloque, est-ce qu'il a été question d'abolition de la propriété privée ou de la suppression de la possibilité de posséder des biens matériels ou voire de l'abolition de la monnaie? Étaient-ce des propos qui ont été tenus par M. Khieu Samphan, des propositions qu'il aurait faites? Je ne peux pas souvenir de telles propositions. Si vous deviez Oui, merci Monsieur le Président. Maître Verkens, c'est simplement pour vous demander qu'on puisse respecter un temps entre les questions et les réponses. Je crois que les interprètes ont beaucoup de mal à assurer leur travail d'interprétation. Donc, il serait bon de respecter ce temps. Par ailleurs, le volume sonore est très différent. Le vôtre est très fort, celui de Paris est très bas. Donc,
tout ceci rend les choses un peu techniquement compliquées. Je voulais simplement attirer votre attention là-dessus. Oui, moi-même, je m'assourdis un peu parce que je parle dans le casque. Mais est-ce qu'il y a peut-être, monsieur le juge, un passage qui a, dont vous savez qu'il n'a pas été traduit correctement et sur lequel je devrais revenir? Pas ma connaissance de passage particulier, mais c'est pour la suite. Je vais y prendre garde. Je vous remercie. Donc, si vous deviez, monsieur Julien, résumer de quelques mots le type de proposition qui était faite à cette époque par monsieur Pieux Sampan, comment le feriez-vous? S'agissait-il par exemple d'un discours qui vous avait semblé gauchiste, ou s'agissait-il d'un discours plus modéré? Quelle est votre compréhension du discours de M. Pieux-Sampan à cette époque? Je dirais que ce n'était pas un discours révolutionnaire, c'était quand même pour l'époque. Il y a donc une soixantaine d'années, un discours un peu novateur. Mais si on voulait le faire aujourd'hui, je dirais que c'était une position en parlant des politiques français, une position socialiste. Alors, j'en viens maintenant à parler de la période durant laquelle vous vous êtes installé au Cambodge. Vous avez déclaré que cette installation avait eu lieu en 1961, qu'elle avait été régulière jusqu'en 1966, et ensuite qu'elle s'était réalisée à travers des missions plus ponctuelles, en tout cas pour ce qui concerne le Cambodge. Pourriez-vous nous dire si, pendant cette période qui va de 1961 à 1966, puis ensuite jusqu'en 1974, je crois, vous avez revu M. Pieux Sampan au Cambodge? Et dans les grandes lignes, quelle était la teneur de ce discours? Je suis un peu plus de temps.
hay cả nó có trong Tout ce que vous venez de dire correspond également à des discussions que vous-même avez pu avoir en français avec M. Kieu-Sampan à cette époque. Ce que je viens de dire, vous venez d'indiquer que pendant cette période de 1961 à 1966, vous avez été reçu chez M. Kieu-Sampan. Est-ce que vous pourriez nous donner des informations, des détails sur le train de vie de M. Kieu-Sampan à cette époque, la manière dont il était logé, la manière dont il se déplaçait? Son train de vie était extrêmement modeste. ព្រោះនៅសកុតសង្គមមិនជាសំញាយអីទេកាលឆ្នាំ 61នោះខ្ញុំទៅលេងគាត់គាត់នៅជាមួយម្តាយគាត់នៅផ្ទះមួយដែលគេហៅជាភាសាបារាំងថាផ្ទះឈើកបឿងឬក៏ថាផ្ទះសង់ផុតពីដី Est-ce que dans le cadre de vos activités professionnelles au sein de l'entreprise Air Liquide pendant ces années, vous étiez amené à fréquenter la classe politique cambodgienne? ហើយខ្ញុំធ្លាប់ជួបពីព្រោះថាទីដំបូងដោយសារថាប្រធានក្រុមហ៊ុនដែលខ្ញុំដឹកនាំនោះជាអ្នកដែលគេតែងតាំងរដ្ឋាភិបាលតែងតាំងហើយបន្ទាប់មកទៀតគាត់ត្រូវបានតែងតាំងជាឯកជនដែលជាប្រតិភូក្នុងពលិតិកក្នុងជំនឿព្រះហើយចឹងហើយក៏មានអ្នកនយោបាយផងដែរឧទាហរណ៍ដូចជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានលោកសេរីមតៈដែលជាសមាជិក ក្រុមគ្រួសារមហាក្សត្រហើយតាក់ក្នុងចំណោមអ្នកទាំងអស់នេះខ្ញុំក៏ធ្លាប់ទៅជួបក្រសួងឧស្សាហកម្មហើយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មផងដែរគឺថាមានអិសរជននៅក្នុងក្រសួងទាំងអស់នោះខ្ញុំធ្លាប់បានទៅជួបដែរ La simplicité du train de vie de M. Kieu-Sampan à cette époque contrastait-elle avec la manière dont vivait la classe politique que vous pouviez rencontrer et connaître par ailleurs?
Bien, je crois que dans la classe politique, personnalité du parti démocrate, hay krau pi nu tha mien neak dae neu kan amnaj dae pe nu pet chi mien ka ruh neu hư kha samnyaeng na khos pi ka nai lok khieu samphorn. Est-ce que vous pourriez rapidement brosser un tableau de la situation économique du Cambodge à la veille de la prise du pouvoir par les Khmer Rouges? Vous avez une activité professionnelle intense au Cambodge jusqu'en 1966. Vous avez continué à vous y rendre pour des raisons professionnelles jusqu'en 1974. Si vous deviez décrire rapidement la situation économique du Cambodge, quelle serait les dessins que vous en brosseriez? Alors, il y a eu donc des efforts d'industrialisation Au regard de la formation qui était la vôtre et de la connaissance intime que vous aviez des conditions économiques du Cambodge, est-ce que les propositions de réforme faite par M. Khieu Samphorn vous paraissaient rationnelles et raisonnables et souhaitables? J'imagine que vous n'êtes pas revenu au Cambodge pendant la période du Kampuchea démocratique. C'est exact, je ne suis revenu au Cambodge qu'en 2005. Comment avez-vous compris l'implication de M. Khieu Samphorn dans ce régime? Je crois que le rôle
qui a joué tha, tí, de quat, mien, a été voulu par les personnes au pouvoir mien, tí, tí, dans le quotidien public. Vous avez besoin de l'État pour l'État populaire et respectable. Ils avaient choisi comme premier chef d'État le président Mordechianouk. Lorsque vous donnez un chef d'État, ils ont pensé à qui au centre. 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 Monsieur François Ponchon, Vous avez indiqué tout à l'heure que vous étiez revenu au Cambodge dans les années 2000. Je crois que vous avez dit en 2005, peut-être aussi en 2006. Est-ce que, à ces occasions, ou peut-être même avant, mais en tout cas, après la fin du régime du Kampuchea démocratique, vous avez revu M. Khieu Samphan? Pendant cette
តាមពិតប្រទប់នៅលើកន្លែងនៃគាត់លក់សាំងលក់អីហ្នឹងហើយបន្តទៀតយើងបានទៅព្រះវិហារទៅមើលប្រាសាទព្រះវិហារតាមផ្លូវហ្នឹងយើងឈប់ច្រើនដំណាក់ដែរនៅតាមភូមិផ្សេងៗនោះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាប្រជាជននៅតាមភូមិនោះនៅក៏រົບលោកខៀវសំផនច្រើនណាស់ក៏រົບឆ្លាញ់គាត់ Revu M. Kyosampan en 1990 à Paris, est-ce que vous savez ce qu'il faisait? Je pense qu'à cette époque-là, il voyageait dans différents pays pour préparation de ce qu'on appelait la Paris. Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur Julien. Oui, merci Monsieur le Président. Bonjour Monsieur Julien Goffre. Je suis le juge Lavergne, je suis juge international et j'aurai quelques questions à vous poser. Tout d'abord, je souhaiterais que nous puissions revenir sur vos premières rencontres avec Monsieur Kyosampan au cours des années 50. Est-ce que vous pourriez nous dire si, dans les conversations que vous avez eues avec M. Kyosampan, vous avez eu des conversations à teneur politique? Alors, Monsieur le juge, je n'ai eu que quelques conversations avec M. Kyosampan Kyosampan vous a indiqué que depuis 1957, il avait fait partie d'un cercle qui s'appelait le cercle d'études marxistes. Est-ce qu'il vous a également dit s'il était inscrit au Parti communiste français, éventuellement dans quelle cellule il se réunissait? Je suppose que dans le cadre des activités de l'Union des étudiants cambodgiens, vous avez dû rencontrer un certain nombre d'étudiants, de personnes de nationalité cambodgienne. Est-ce que vous avez notamment rencontré un monsieur qui s'appelait Ok Sakun? Je ne me
Est-ce que parmi ces étudiants, vous en avez rencontré qui se sont ouvertement présentés comme étant d'obéissance attirés par le Parti communiste? Mien chấm nạp rắm lơ bạc của mình đi đại lý tế là thi công đi thế và ba chú của bạn này là cái prap tha cái ban chú chia sẻ mà chắc bạc của mình anh ta chia cái ta là miền bắc thơ san ở ta một chín năm một đòn được pin một đòn chúng ta là thi công prap là ấy chẳng tới Est-ce que, selon vous, M. Que Sampan était une personne qui pouvait s'engager dans des mouvements, non pas par adhésion idéologique, mais par patriotisme ou pour servir de lien, pour être utile? Alors, Monsieur Que Sampan était entendu depuis le début de ce procès à plusieurs reprises, et il a dit notamment ceci par rapport à son engagement au sein du cercle d'études marxistes. C'était lors de l'audience du 13 décembre 2011 à 14h20, c'est le document E1-21.1, et en français sont les ERN 00-76-19-46-50 et en anglais 00-76-18-40-45. Voilà, Monsieur Que Sampan, je vais essayer de résumer, a déclaré qu'à son arrivée en France, il avait adhéré au cercle d'études marxistes en raison de l'insistance d'un de ses anciens camarades de classe du lycée Sisowat, M. Ok Sakun. Et plus précisément, il a indiqué qu'il avait fini par céder à cette insistance et qu'il avait accepté d'entrer au cercle d'études marxistes parce qu'il n'avait pas voulu que M. Ok Sakun le voie comme un lâche. Il a également dit ceci: qu'après avoir observé la situation politique à Paris, il avait éprouvé le besoin de prendre ses distances afin de pouvoir réfléchir et que pour cette raison, il est parti à Montpellier en prétextant que le climat dans le Midi était plus convenable. Alors, est-ce que ce sont des choses qui vous surprennent ou est-ce que vous avez eu des conversations à ce sujet avec M. Kusampan? Alors, je ne suis pas surpris. Donc je ne suis pas surpris.
pratiquement la seule voie. Peut-être qu'on parle d'un peu plus qu'un rapprochement, puisque notamment après son retour au Cambodge, M. Yeng Sari lui a confié la responsabilité du cercle d'études marxistes, et il a déclaré ceci, c'est toujours la même audience, il a déclaré avoir accepté cette charge parce qu'à l'époque, les plus convaincus étaient déjà rentrés au pays. Il n'y avait que lui qui pouvait reprendre le cercle. Et il y voyait la possibilité d'accomplir quelque chose d'utile en inculquant le patriotisme à ses membres. Voilà. Donc, c'est peut-être un peu plus qu'un rapprochement, puisque à l'époque, M. Que Sampan, donc, qui est membre du Parti communiste français, c'est lui qui l'a dit. Et il est à la tête de ce cercle d'études marxistes. Or, vous l'avez vous-même qualifié de plutôt socialiste, ce qui n'y a pas une certaine contradiction. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Parti socialiste n'était pas organisé de ce qui concerne les colonisations socialistes. C'était Nous sommes en 1957, 58 ou 59, l'indépendance a été accordée au Cambodge depuis 1953. Alors, premièrement, je ne fréquentais pas les cercles Est-ce que les mots « travail de front uni » sont des mots qui évoquent quelque chose pour vous ? Non, rien du tout. S'agissant de l'image que M. Que Sampan pouvait donner de lui-même, j'ai retenu de ce que vous avez dit que Monsieur Que Sampan était quelqu'un qui avait l'image d'un homme très populaire, très respectable, sérieux, honnête. Est-ce qu'on peut dire aussi que c'était l'image d'un homme d'une certaine modération et l'image de quelqu'un qui inspirait la confiance à beaucoup de milieux? Donc, et si j'ai bien compris ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est une image qui a pu être utilisée par le mouvement Khmer Rouge pour inspirer lui-même confiance. Tout à fait. Alors, je voudrais que nous passions maintenant à un
notre série de questions sont peut-être plus douloureuses pour vous, puisque dans le document que vous avez adressé au tribunal, le document E190-2.5, qui est votre attestation, vous avez indiqué avoir perdu beaucoup de membres de votre belle famille et beaucoup de gens qui étaient aussi de vos amis. Vous avez dit avoir perdu notamment votre beau-père, votre belle-sœur, son mari, quatre neveux, d'avoir perdu des amis comme M. In Sokan, M. In Sopan, M. Sion Kasset, M. Tok Kamdun, M. Dipon. Est-ce que vous savez d'ailleurs ce qu'il est advenu de ces derniers? Est-ce que vous savez où ils sont morts en ce qui concerne M. In Sopan, M. Sion Kasset, Tok Kamdun et Dipon? Je ne sais pas de façon précise. Comme ça, Monsieur In Sopan a été détenu à S21. C'est l'entrée numéro 2989 de la liste des prisonniers de S21, le document E3-342. Monsieur Sion Kasset a également été détenu à S21. C'est le numéro 10090 sur la même liste. Monsieur Tok Kamdun a été détenu à S21, c'est le numéro 10818. Monsieur Dipon a également été détenu à S21, c'est le numéro 1937. Vous avez également déclaré que parmi les personnes que vous n'aviez plus revues, qui ont disparu, il y avait beaucoup de cadres de votre société, la SUCOA, notamment M. Tan Kim Yo, Mme Neil Nelly, M. Ye Yang, et également un tiers des employés de la société SUCOA. Alors ma question est relativement simple. Est-ce que vous avez discuté avec M. Que Sampan de ces disparitions? Est-ce que M. Que Sampan, selon vous, connaissez M. In Sokan, M. In Sofan, M. Sion Kasset, M. Tok Kamdun, M. Dipon? Je ne sais pas parler parce que j'ai revu M. Kyo Sampan en 1992. Et puis j'ai pensé qu'il n'était pas convenable de ma part de poser des questions sur cette période. Précisément ce qui nous intéresse au premier chef aujourd'hui, c'est cette période. Donc on peut comprendre que vous avez eu des pudeurs
à poser des questions à M. Kyusampan sur cette période, mais aussi celle j'aimerais savoir aussi si M. Kyusampan vous a parlé de sa famille. Parce que je crois que vous connaissez un petit peu sa famille. Sa mère, ses frères et ses sœurs. Est-ce que vous savez quelque chose à ce sujet? Eh bien, justement, dans nos entretiens, Il vous a dit exactement qu'il savait où ils étaient pendant cette période du Cambodge démocratique. Ne bénéficiait pas non plus d'un régime particulièrement favorable. Est-ce que vous pensez que vous pouvez mettre, comparer la position que tenait Norodom Sihanouk à la période du Cambodge démocratique à celle que tenait M. Kyusampan? Est-ce que vous savez si M. Kyusampan a siégé au comité central du Parti communiste du Cambodge démocratique? Alors, je pense que tous les deux ont été chefs de l'État. Je sais que dans un pays à régime communiste, le chef de l'État a un rôle beaucoup plus représentatif. Il n'a pas beaucoup de pouvoir. Comme exemple, la Chine, le premier homme Fauci a été mis dans la commission culturelle par M. Mao Zedong. Đời Mao Zedong trong phong cách bảo vật thơ hay thời này nơi cả lớn này nơi cả đây hàng trước nữa dân qua Kim Jong Un sẽ bán này nay có đăng đây mais qui connaît le chef de l'État Kim Jong Nam chef de l'État de la Corée du Nord Kim Jong Nam đại chia bộ một cái rốt nó tăng bị năm cái sự bầm bấy máu nữa de la Corée du Nord hay nơi không rất thầm nên cả đây hàng trước cả đôi chia không rất thầm nên Campuchia bị chia thập tay. Je crois que le rôle attribué au président du président Bien, donc ce que vous dites, c'est une analyse qui vous est personnelle et générale. Est-ce que vous avez eu à quelconque moment des discussions précises sur le rôle exact de M. Kyusampan pendant la période du Cambodge démocratique? Est-ce que vous avez des éléments d'information à nous apporter à ce sujet? Nous avons fait un certain nombre d'audiences, nous essayons de savoir ce qui s'est passé. Bon, alors je ne connais pas les faits, je n'ai pas eu de conversation approfondie à ce sujet. Dans votre témoignage, M. Kyusampan, vous avez déclaré avoir été très choqué par la lecture
de la constitution du Cambodge démocratique et notamment par la lecture de l'article 3 de cette constitution. Est-ce que vous vous souvenez de ce que dit cet article 3 de la constitution du Cambodge démocratique? C'est l'article qui traite de la culture. Avant la prise de pouvoir par les Khmer. Monsieur Julien Goff, encore une autre question. Avez-vous discuté avec Monsieur Khieu Samphan du rôle qu'il a eu dans la rédaction de cette constitution? Avez-vous écouté ses commentaires lorsqu'il a présenté lui-même cette constitution à la nation cambodgienne? Nous avons un rapport qui est assez intéressant sur ce sujet, c'est le document E3-259. Je n'ai pas de précision. Je n'ai pas de précision. Voilà, je ne sais pas si la reine d'Angleterre aurait prononcé ce que je m'apprête à dire, mais en tous les cas, c'est ce qui figure dans le document E3-273, et plus précisément à l'ERN 00-72-57-98. S'agissant du chapitre 3 relatif au régime culturel, la culture du Cambodge démocratique et national, populaire, progressiste et saine, autant de traits distinctifs qui caractérise la situation dans notre pays à présent. Il n'y a ni voleur, ni vandale, ni prostituée dans notre pays. Pas un seul. Notre culture a des traits nationalistes et populaires. C'est notre propre culture. Nous nous opposons aussi résolument à toutes les cultures corrompues et réactionnaires des diverses classes opprimantes, de l'impérialisme et du colonialisme au Cambodge. Les films et les magazines qui répandaient cette culture corrompue et perverse ont disparu. Nous les avons complètement éradiqués en même temps que les impérialistes étrangers. Nous nous habillons selon nos mœurs et nos traditions nationales, selon la réalité et les moyens qui sont ceux de notre peuple et de notre nation. Nous ne suivons pas aveuglément la mode pour imiter, pas plus que nous ne copions la culture décadente des impérialistes étrangers, comme le faisaient ceux de la clique des traîtres de Lon Nol. Regardez ce que ces traîtres de Lon Nol ont fait à leurs partisans. À Phnom Penh, les maisons sont remplies d'objets inimaginables. Je ne sais pas comment les décrire. Ces maisons n'ont absolument aucun caractère national. C'est la raison pour laquelle nous nous opposons résolument à ce genre de culture. Si nous permettons à cette culture corrompue de gangréner notre pays, elle annihilera sûrement nos efforts pour défendre notre pays et protéger notre indépendance et notre souveraineté.
Nous devons donc résolument rejeter la culture corrompue, réactionnaire de l'impérialisme et du colonialisme au Cambodge et par conséquent renforcer davantage encore la position de notre peuple. Dans le passé, notre peuple n'a cessé de lutter contre l'invasion de la culture corrompue des impérialistes étrangers. À l'avenir, nous devons continuer à lutter résolument pour préserver à tout prix notre culture progressiste, saine, nationale et populaire. Alors, est-ce que ça correspond à ce que M. Khieu Samphan pouvait dire quand il était à Paris, quand vous l'avez rencontré au Cambodge dans les années 60? Alors, en ce qui concerne les premières phrases, c'est-à-dire le souhait d'une culture populaire nationaliste, par contre, je l'ai entendu critiquer la politique du pouvoir absolu de Nord-Homme Sihanouk, tantôt chef de gouvernement, tantôt chef de l'État. Mais je n'avais pas entendu proférer des Vous a dit pourquoi il avait été nécessaire d'évacuer les villes après la libération du Kampuchea. Alors, il ne m'en a jamais parlé, mais moi j'ai l'idée suivante. En 1975, j'ai complètement coupé du monde extérieur. Tout le ravitaillement se faisait par avion, et je pense que quand les Khmer Rouges, les quelques centaines, quelques milliers de Khmer Rouges ont pris Phnom Penh, ils ont été incapables de nourrir la population. Alors l'évacuation de l'île se conduisait dans des conditions confortables, mais elle n'a pas été posteriori. Une nécessité économique. Pardon, j'ai cru comprendre que vous estimez que l'évacuation de ville était une nécessité économique, c'est-à-dire que j'ai levé. La ville était ravitaillée uniquement par avion et par bateau à partir du moment où les Khmer Rouges prenaient le pouvoir. Il n'y avait plus de ravitaillement par possible par bateau ou par avion du Vietnam ou de la Thaïlande ou d'ailleurs. Donc, il fallait que la population retourne à la campagne. Mais je reconnais que d'après ce que j'ai entendu dire, cela s'est passé dans des conditions épouvantables. Donc, pour vous, c'était quelque chose qui était tout à fait prévisible, ou quelque chose qui vous a surpris quand vous avez entendu parler de cette évacuation des villes? Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Ça ne m'a pas surpris outre mesure. Le fait lui-même ne m'a pas surpris outre mesure. Les conditions, par contre, m'ont parlé. Et pour, comme je l'ai dit, épouvantable. Est-ce que vous savez combien de lois ont été adoptées par l'Assemblée des représentants du peuple? Et est-ce que vous savez s'il y a eu des institutions judiciaires qui ont fonctionné pendant la période du Kampuchea démocratique? Bon, je
chấm lái khi nhóm mình đăng tế lục đăng hái tha nơi khi nhóm chia bật thiên thằng này là anh vật thổ không có hôn mua khi nhóm miền ca nghe cho đó nhóm thư ca tăng bị mong bật lát mong bấy hay mong bầm bấy giúp ấy nó bằng chọc nó nhóm mình thư ca xong rồi trăm mong đôi giả lời này tế vì cho nên khi nhóm giúp cho đã tới lưu ta ca nghe bác khi nhóm tế khi nhóm miền bọn miền tích tuổi nè Est-ce qu'on a parlé tout à l'heure de Insokan, Insofan? Est-ce que vous avez connu une personne qui s'appelait Insofip? Est-ce que vous avez lu un ouvrage écrit par M. Insofip qui s'appelle Que Sampan a grandi? Mong nơi Campuchia nít cứ là hồ đòn mong bay nâng đọc ram để tí xong rồi chơi chơi bình để mày to cái chân ca sạm ca xong cao chờ